Allô, ici Véronique Lemay. Aujourd'hui, pour cette nouvelle capsule de la série Vivre Hockey, conçue par le trio hockey qui regroupe Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey, je me retrouve présentement dans les bureaux de Warrior à Montréal. Bien que Warrior soit une entreprise appartenant à la famille New Balance, c'est ici, à Montréal, qu'est fait le design de leurs produits. Plus de 150 joueurs professionnels utilisent leur équipement, dont Max Pacioretty, Brendan Gallagher et David Desharnais. Suivez-moi, on s'en va en apprendre davantage avec Vincent Harpin et Jean-Sébastien Dorval. Salut Vincent. Salut Véro. Tout d'abord, Vincent, dis-moi en quoi consiste ton travail à titre de développeur senior chez Warrior. Moi, je prends les idées qui ont été conceptualisées par notre équipe de design, que ce soit des dessins, des concepts, des prototypes. Je vais voir les manufacturiers avec ça. Je m'assure qu'ils respectent toutes nos spécifications, que les échéanciers sont respectés et que les prix sont bons. Et quels sont les plus gros défis à relever dans le design d'équipements d'hockey? Année après année, de se renouveler, de faire en sorte que le produit performe davantage. C'est vraiment de donner notre ADN Warrior au produit, de faire en sorte qu'il se différencie de la compétition, de donner de la valeur à tous les prix, de façon à ce que quelqu'un qui a un plus gros budget, il trouve son compte, au même titre que quelqu'un qui a un petit peu moins de sous, mais qui veut avoir de la qualité aussi. Vincent, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Et j'ai maintenant rendez-vous avec Jean-Sébastien pour jaser design. Salut Jean-Sébastien. Salut. Dis-moi, pourquoi, selon toi, as-tu la job de rêve? Jouer au hockey, pour moi, ça a toujours été une grande passion. Puis en plus, le dessin, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, que j'ai toujours adoré. Ça m'a amené tout ça à me rendre en design industriel à l'Université de Montréal. En tant que designer ici chez Warrior, ça me permet vraiment de combiner mes deux passions, le design d'équipement puis le hockey. Quel conseil donnerais-tu à un jeune passionné de hockey qui aimerait éventuellement se joindre à l'équipe de recherche et développement chez Warrior? Il faut être capable d'avoir beaucoup de créativité, penser un produit, le voir dans le futur. Si tu es capable d'imaginer qu'il va être encore meilleur l'année suivante. Moi, je travaille comme designer chez Warrior, mais on a aussi des ingénieurs qui travaillent avec nous. Ces gens-là, ils n'ont pas le même background technique. Par contre, ils ont la même passion pour le hockey. Jean-Sébastien, merci beaucoup pour cette belle entrevue et surtout, merci pour la visite. Ça fait plaisir. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule et n'oubliez pas de nous suivre sur hashtag Vivre Hockey.